date ça, 12 mars 2021, avec nous, Lionel Lazare et Gary Jean-Baptiste. Gary, bonjour. Gary, comment nous est? On salue tous les collaborateurs. On est dans notre zone qui permet de nous intervenir maintenant sur Radio Caraïbes, dans nos SPNH. Oui, Lionel Lazare, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour Johnny. Je souhaite Lydia Alexandre bonne fête côté l'IA. Et je salue les collègues Gary qui nous parlent souvent. Et je salue tous les policiers qui sont à côté nous. Et nous saluons tout le monde Sinapoa. Oh, merci, c'est un plaisir que pour nous font parler maintenant. Nous servons de prétexte date 12 mars là, pour que nous parlions de l'institution la police là, qui dernier jour ça en tout cas après ça fait plusieurs années même donc policiers yo c'est véritable cible bandit yo mais événement qui était dans mémoire citoyen yo c'est ça qui est arrivé dans village de Djea et probablement ça qui arrivé là dans mois janvier là dans zone Liancourt côté village de Djea 5 policiers c'est été mouri cadavre té rété dans espace là c'est bandi qui enterré yo et dans Liancourt zone ça vient 6 cadavres policiers rété dans main bandi yo jusqu'à présent et dans tout de Kasayo pas gagné aucune opération vraiment qui menait pour ta tenter déloger bandi yo village de Dieu moi-même ça fait 2 ans depuis pas gagné yon opération la police tenté mener depuis incident ça comment nous-mêmes comme syndicalistes nous vivons journée ça Lionel Lazare bon tout le monde se connaît qui s'est passé dans date 12 mars 2021 côté que c'est gagnon opération qui était planifiée dans l'idée pour déloger monsieur Isolo qui a si même panique dans quartier ça. Eh bien, nous connaissons qui s'accepte passé, son opération qui était tournée, son opération qui était fait salpé, à côté que il y a 5 policiers qui mourent, 4 policiers soit un policier boy, eh bien, le monde était presque tête en bas par rapport avec Jean-Claude Monsieur qui a traité, et policier. Le pire, c'est parce que pas gagné rien qui était fait pour aller récupérer cadavre et policier. 2 ans après, comment que nous comprenons ça? Nous, avec le bagage, on était presque même gens, puisque nous connaissons plus que l'autre 12 mars encore. Par exemple, Liancourt le 25 janvier, Métivier le 20 janvier 2023. Donc, c'est presque même bagage là encore. Il n'est pas fait dans le village de Dieu, mais il est fait dans une autre zone. C'est pour ça que nous-mêmes, au niveau Sinapoa, on a vu le drame ça, et avec un paquet d'émotions. Et faut que nous nous tout et jusqu'à présent 2 ans après inspection générale la police pas un rapport qui sorti pour dire qu'on s'accuse mais qui est ce monde qui était impliqué dans échec opération ça qui donc si 2 ans après pas gagné rien qui fait c'est comme si nous étions capables de ces policiers ça qui mourir c'est eux mêmes qui étaient pour tête sur aller dans opération nous pas quand dans institution. C'est même institution encore qui te planifie une opération pour te permettre que moun yo aller et bien c'est même institution là juste à présent qui par exemple bail un rapport par exemple un rapport enquête qui vous dit que mais qui est ce qui était impliqué dans échec juste à présent famille policière ça toujours à vivre avec cauchemar ça famille policière ça par exemple jeune cadavre petit yo qui donc même au niveau Sinapoa 2 ans après pas gagné qui changer. Si c'est bon bagage qui s'est changé, moi-même, c'est à permettre que l'inspection générale te soumette un rapport pour te dire bon, mais qui est-ce qui est impliqué dans ça. C'est comme si nous étions capables de dire nous que sanction parfaite de chef dans la police. Il y a un niveau, il y a une police là, sanction presque parfaite. Pour nous. Et sans passer 12 mars 2021, par jamais bien qui fait, c'est même tout pour ça passer l'un coup. Pour Métivier, on va nous garantir n'a toujours après 1 an après n'a toujours parlé de ça. Gary Jean-Baptiste, mes mêmes questions, comment on a vive journée ça. Gary, qui t'aime saluer mon SPNH, surtout ça yo qui était victime pour 12 mars, qui était mort pour 12 mars. N'a saluer Gary Jean-Baptiste, mémoire
grand nexa qui mourit, il mourit parce qu'elle t'a revendiqué. Nous avons fait le 12 mars 2021 et journée là, on ça, laisse une passer. Nous-mêmes, dans SPLH, nous sommes positionnés, nous sommes dit que nous avons exigé des commandements ça acte là, en tête de Léon Charles, pour nous récupérer le cadavre policier. Mais après, appeler pour la nation, l'autorité politique avec vous, comme nous sommes là, et nous avons payé 25 000 $ pour nous prendre ça, pour nous abandonner le cadavre policier. Et je pense que dans SPLH, ça va faire que. Le commandement, parce que dans le cadavre policier qui est dans le village, il était plutôt persécuté membre SPNH. Eh bien, nous te dit, pas privé dans le village de Dieu, si pas rien pas fait, la situation a été plus difficile parce que le groupe armé ne pas intensifier. Malheureusement, je dis à cela nous. Je dis à la assisté pendant, on a parlé de 2 ans. C'est une opération ça fait. Même j'ai un collègue à Sotdili, l'inspection générale, par exemple, jusqu'à présent, bah, aucun rapport. Lazare, monsieur, que c'est beaucoup trop qui gagne bouillon. Et Fonfon, c'est carton de bouillon pendant quelques minutes. N'a fait pas l'air. Oui, gagne. Je n'ai la police qu'elle fait. L'inspection générale, là, il fait pour agent, il n'est pas fait pour beau chef. Eh bien, ça qui passe dans la ville de Dieu, c'est lui qui fait nos côtés nier aujourd'hui. Je veux dire, on a regardé après 2 ans. Tout le monde qui a participé dans l'opération Tête Chatra, sorti dans le DGA qui représentait Haïti en OEA. L'autre monde qui était dans le commandement, ça m'a fait, ils ont honoré un gros poste dans la police. Famille policier, c'est eux-mêmes qui perdent petit, c'est eux-mêmes petit qui perdent papa. Ça n'a rien pas fait. Indemnisation. Rien pas fait, ça veut dire que nous avons une institution côté, laissez gros chefs qui font bagaille, tout le monde croise les bras gardés, laissez un agent, ils ont publié dans la radio, ils ont bâillé le rapport, ils ont dit, mais sanctions, ils nous-mêmes, PNH, 12 mars 2021, c'est une journée que nous ne sommes pas bien, sont cicatrices, non seulement nous devons vivre, non, ça qui est arrivé à son douleur pour nous, mais nous subissons pour lui. Nous subissons pour lui. Et nous avons dit aujourd'hui, les policiers doivent connaître. Plus gros ennemi. Ce n'est pas monsieur dans le ghetto. Génération Kazam, non, mais c'est le monde qui, par génération, ça a moyen, qui est. Nous mentalisons les générations pour les tuer. Parce que prendre les policiers, ils ont moins de moyens pour faire travail. Prendre les policiers, toujours pas de gilet, pas balle, pas de casse, pas de moyens pour le travail. Nous gardons nos moyens. Qui peut les moyens, ça y est. Je dis, après 2 ans, nous pensons que c'est important pour les policiers qu'on est. Comment ils déjà identifié l'ennemi, les pour qu'on est. Il n'y a pas de seulement pour surveiller le gouvernement, nous sommes capables de criminaliser, capables d'alimenter, capables d'investir dans la sécurité, c'est le mieux. C'est important pour que nous l'appliquions. 12 mars 2021, c'est lui-même qui est la cause, nous côté nous aujourd'hui. Parce que pas de respect, 12 mars 2021, pas de meilleure action pour l'honneur, pas de grosse action pour l'honneur de la démarche. Mais c'est lui qui mène nos côtés de milieu aujourd'hui. La police n'a pas de cas efficace, la police n'a pas de cas baillé. Elle n'est pas capable de s'éteindre tant qu'elle est protégée. Parce que. Mon petit problème technique, bon côté au Gary Jean-Baptiste, mais bon, me poser question ça à Lionel Lazare. Est-ce que, dans le niveau syndicat, par exemple, nous chita pour nous réfléchir en profondeur, pour regarder qui côté problème n'a yé, parce que c'est Village des Dieux, c'est pas seule opération ratée, la police là est menée, et policiers chaque jour à mourir dans la rue. Est-ce que, un problème formation, ou bien un problème de planification dans l'opération, est-ce que nous cherchons qui connaît qui est à la base, et tout pour qui raison qui fait que 2 ans après,
pas jamais une opération qui mène dans le village de Dieu. Bon, nous pensons que nous même au niveau de Sénapoa, il faut que nous donc il est clair. Parce que mener une opération, on lui demande faut qu'on prenne temps. faut qu'on garder zone dans les configurations zone là parce que ça qui arrive rentrer ou pas qu'à sortir c'est pas du jour au lendemain pour être comme ça et puis tout une opération qui donc moi-même pense que n'a pas il faut nous réfléchir sur ça en pile fois nous poser question pour nous dire qui raison qui cause en pile fois opération échouer et nous toujours demander tout faut gain sacré question au niveau planning yo. Les planifications en fait parce que en pile fois gen moun qui toujours dit comme ça que opération yo konn ni planifié et puis tout des bandits qu'on est nous pas connait est-ce que c'est vrai mais nous pense que li important pour les opérations yo a mener yo gon gens que yo planifié yo gon ensemble de matériel tout pour yo gagner m'bal pour exemple par exemple village de Dieu et alors Torsel c'est pour côté qu'on camine opération n'importe qui gens et les nous connaît que nèg yo immédiatement que ou barre en bas yo courir monter en l'air mais faut au moins ou gagner des policiers des matériels des véhicules 4x4 qui capable faire zone ça yo qui pour al barre ou bien qui les descendre pour joindre policiers qui capable répondre ensemble avec yo mais si ça ou pas fait si pas gain des plans parce que nèg yo utilise une série de zones qui mettait la police dans situation difficile côté que ou capable rentrer mais pour sortir est extrêmement difficile qui donc faut gain matériel adéquat qui capable et répondre avec genre de opération ça yo mais faut que nous de tout au niveau si Sinapoa actuellement là n'a réfléchi et yon alors réfléchir avec un série de monde qui gain spécialisation dans question sécurité qui spécialise dans question sécurité capable garder ensemble comment nous aider la police comment nous capable planifier opération puis bien qui conseille que tout nous-mêmes nous capable garder hier qui ça manque arrivé dans zone canarien côté que bon blindé qui en panne et bien monsieur envahi blindé a tombé tiré mettez dit fait c'est l'enfant qui est en courir rapide qui permet que policiers yo pas victime qui donc nous croyons que faut qu'on volonté tout bon côté gouvernement parce que l'on pays sécurité a dû en priorité pour vous. Ou par cas, ils ont pays qui sont sécuritaires. Parce que c'est lui qui permet d'organiser l'élection, c'est lui qui permet que tout le monde soit à l'école. Regardez, voilà, qui s'est passé là. Conseil de l'école qui est obligé de fermer pour vous parce que zone ça a eu bandit à tirer et ou pas attendre le gouvernement dit rien comme disposition que vous avez pris pour capable faire l'école ça a relouvrir. Donc, nous croyons que travail ça c'est pas travail en groupe monde c'est tout le monde qui pour mettre ensemble quel que soit monsieur agent monsieur inspecteur ngé mo pa mto dans question sécurité pays quel que soit si c'est citoyen tout ngé mo pa tout que les capable dire même penser que 12 mars 2021 tout le monde connaît qui ça qui s'est passé qui leçon nous de 12 mars nous pas tirer pièce leçon raison c'est parce que il y a plusieurs 12 mars encore passé et malgré nous qu'on est qui côté cadavre policier et pas rien comme intervention c'est une bagarre qui a arraché que policier c'est une bagarre qui fait que bon paquet de policiers tout à qui dans institution hein, qui obligé à blaguer pied yo parce que yo traitement que yo bail famille policier moi même au niveau Sinapoa nous même nous gain chance parler avec plusieurs madame policier dans la Tibonite mais moun yo met des mains en tête moun yo a crier moun yo dit pas j'aime gagner qui fait pour vous. Pas jamais une délégation qui j'aime chita ensemble avec vous pour dire mais qui ça a fait. Et donc, c'est des bagages que nous même au niveau Sinapoa, nous dénoncer ça yo et pour gagner des travails qui fait pour tout le monde mettre ensemble pour nous garder comment nous capable résoudre problème ça qui vient là, journée aujourd'hui. C'est ça. Moi-même, ma petite et collègue là, et collègue Azan, où est-ce que l'opération m'a donné? Je dis à la, nous pas de passer sous côté. Nous pas de passer sous côté. Ou t'as dit ça. Où est-ce que l'opération? Il y a un petit gros problème dans la police. Et directeur général, le commandement, il n'y a pas un courage assez parce que, en pile fois, c'est politique là qui est mais il y a un courage pour une série de bagages. Comme tout, l'opération a planifié
opération, toute coopération qui a planifié avec un CSPN, ou qu'on dit un CSPN, non? Puis, pour mon gars, CSPN, c'est politique, c'est politique, c'est pas technicien. Il pas qu'on a rien dans affaires opérationnelles, dans affaires sécurité. C'est eux-mêmes. Ils ne peuvent pas passer la donne. En pile fois, c'est eux-mêmes. Parce que, écoutez, monsieur, moi-même, je dis, tant que nous ne dépolitiser la police, pas besoin de gagner sécurité. Parce que, quand il n'y a pas aucun côté dans le monde, c'est politique. C'est politique qui fait entrer dans la police. La police technique, liée, n'est pas politique. Je dis à la opération, nous connaissons pile l'opération, c'est pas réussie, c'est à cause de ça. Parce que le bon monde qui a participé dans la planification de l'opération, on n'a rien à faire l'opération. Il faut dépolitiser la police, point barre. Passer sous côté pour nous dire, pour nous dire que je dis à la plus politique qui a fait qu'une technique dans la police. Baptiste, sur ce point ça, moi-même, j'ai un responsable qui te dit que une opération est allée dans une zone, et un député dans la zone qui dit qui j'en fait pour aller mener une opération, pas dit. Je dis que ça, mais qui j'en pour me dire là? Est-ce que c'est la police ou pour qui ça m'oblige de dire que je vais mener une opération? Ouais, et de fait, c'est ce député ça qui te prend, et mon prend juge de paix qui a fait constat parce que tu as gagné deux, trois monde qui t'est mort dans la zone. Ouais, elle dit politique là, il est pour beaucoup effectivement dans affaiblir l'institution la police là. Claire, là ça connaît ni tout le monde dans la police ça connaît ni en pile opération qui bâcle tout, qui parle ici, c'est ça causer le parle ici parce que ou pas capable à planifier opération, ou pas planifier opération avec des politiciens. Des politiciens lui-même qui gagne l'autre bagarre la police. Moi-même, je pense que c'est un gros bagage, c'est ça pour nous-mêmes. Non, nous-mêmes qui sommes syndicalistes, nous-mêmes qui sommes policiers, nous-mêmes nous vivons. Et si je veux dire, nous, la police à l'état lié, c'est parce que les politiciens n'ont pas d'intérêt. Pour que nous fassions une police efficace, nous plutôt pour affaiblir la police pour qu'elle ait de la peur. Parce que je veux dire, il faut que nous crèvons, nous, l'insécurité sont sous. Côté, en plus, nous avons fait 1 000 là-dedans. En plus, nous avons fait 1 000 euros sous l'insécurité. Il faut identifier les entrepreneurs de l'insécurité en Haïti. Je veux dire, nous veut dire, et je veux dire, nous tous, nous qui sommes dans la capitale là, nous victimes de l'insécurité d'une manière ou d'une autre, je veux dire, nous ne pouvons pas passer sur le côté, il faut que nous disions, allez, je veux dire, il faut que nous allions droit au but. SPNH demande pour que la police a dépolitisé et c'est une bataille que nous tous haïtiens devons mener pour que nous devons rentrer là-dedans, parce que lorsque la police a lui-même affaibli, nous avons conséquences, c'est nous tous qui payons. Ça doit être clair pour nous, en plus, 12 masques arrivent encore. Quand plus 12 mars arrive encore, tant que c'est même leadership, c'est même gens à diriger, c'est même monde qui a toujours décidé pour la police, même je dis pour qui ça, il y a qui imagine je dis à la valette, par rapport à deux, j'ai gagné, on va regarder dans la rue, moi même c'est avec la peine, un policier dans la rue, uniforme crème bleu sous lui, l'argent lui fait, lui pas un gilet à balle, lui pas un casse, lui pas un bon âme nommé. Même 9 mm ouais, au guerrier, son âme qui n'est pas efficace. Je veux dire, je suppose que l'autre âme, supposé que l'autre plus beau âme pour les policiers, pour les gilets, pas les gilets, pas les casques. C'est le premier signal de l'autorité à voir. Tant que nous ne pouvons pas voir les policiers au moyen, on quitte de matériel de protection guerrier. Mais par contre, il n'y a pas de coûté l'État plus que 1 000 là, non? On quitte de matériel de protection. Pour que ça va venir équiper la police là? Au milieu international là, je veux dire à la SPNH parler avec nous. Nous disons que nous voulons aider Haïti. Le plus gros aide nous avons à Haïti, c'est renforcer la police. La police est prête pour nous protéger le pays, pour nous couper, pour nous lutter pour nos familles. Même si nous connaissons la sécurité à groupe armé, nous ne pouvons pas résoudre avec les armes seulement parce que nous connaissons que le grand travail qui est fait de base, qui est écrit dans la société, parce que nous une bonne génération, si nous avons une chance, si nous avons une lutte, l'autre, je ne parle pas de l'école, je ne parle pas de métier, je veux dire, il n'y a pas d'appliquer les armes, non, mais ça, nous connaissons que l'autre le travail qu'on fait, parce que la sécurité n'a pas l'air, nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas de résoudre la sécurité avec les armes seulement. Faut que nous disions, je veux dire, là, nous, toute notre situation difficile, faut que nous faisons un bagage, et ça, nous devons faire, c'est de faire la police sur l'autre, faut que nous priorisions la sécurité, parce que, plus gros investissement, on l'État, qu'a fait. C'est dans la sécurité, parce que depuis pas que la sécurité n'a gagné, il n'y a pas de marché. Je comprends dans ce là, l'école fermée, puis quoi business fermé, puis quoi on met mon activité pays là. Tant que en réalité, puis quoi mon activité pays là, mon qui est minimum dans les eaux. Ça veut dire l'investir sur l'autre côté. Je veux dire à la gauche, le corps qui est Haïti, l'investisseur qui est Haïti, ça veut dire Haïti, lui-même continue à descendre.
faut bon bagage qui fait espionnagement des policiers. Pour féliciter les policiers et dans le dernier moment ça a eu fond nous et nous découvrons bagage et bat bravo. On est toujours dire ça les policiers nous même nous souhaitent découvrir un secret. Solidarité tête ensemble dans bail bail résultat gagné. Nous pas dire ça solidarité tête ensemble dans bail résultat. Question pour Lionel Lazare et Gary Jean-Baptiste sont capables de répondre ni tout. Deux ans après drame village de Dieu, pays a toujours pas connu qui ça qui t'est passé. C'est vrai, t'es gon inspecteur général, il t'est metté en détention. Léon Charles qui t'est directeur police dans période là, il est actuellement dans OEA. Nous même comme syndicat, qui ça nous connaît, qui vérité nous plus ou moins connaît sous ça que t'es à la base échec opération village de Dieu. Bon, moi-même, pense que c'est un bagage que nous toujours dit à chaque fois que nous parlons de ça. C'est pour montrer que l'institution que nous la donne encore, c'est lui-même encore qui parle de ce travail. Parce que qui est deux ans après, c'est comme si nous étions capables de dire, c'est les policiers qui sont allés dans le village de Dieu pour contre. C'est eux-mêmes qui ont passé l'opération pour contre. Pendant ce temps, à l'époque, c'était un décret départemental. Et directeur général, c'est l'inspecteur général. C'est que tout une série de monde qui était dans la chaîne. Deux ans après, l'inspecteur général, la police nationale d'Haïti, pour que j'en sorti, j'en rappelle ses responsabilités. Pendant ce temps, nous voyons que, quel que soit agent qui font bagarre là, sans nous mettre dans l'isolement, fait 8 mois, fait 9 mois, il n'y a pas jamais traité sous cal. Est-ce que rapport 12 mars là, c'est sorti ou pas qu'à sortir. Je dis, on a demandé à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGC Street Saint-Fort, faut que rapport opération 12 mars là sorti, faut que responsabilité ou fixée, faut que pays a connu qui est ce monde qui est impliqué dans ce qui passé. Côté que. Pour ça, à défaut de rapport ça, nous-mêmes, comme syndicat, et qui a défendu l'intérêt, la police, et nous t'as capable de mener propre enquête pas nous, hein, et ça t'as capable d'aider nous, je dis, et deux ans après qu'on est plus ou moins qui côté réatteillé, et les recommandations à faire, yo, pour yo t'as capable d'aller dans ce sens-là. Mais m'pense que Pierre-Renel, majorité, enquête que nous-mêmes nous menons au niveau Sinapoa, à chaque monde que vous parlez, yo toujours dit que mes responsabilités que yo te gagne. Yo même yo pas là, yo même yo pas dans ça, yo même yo pas dans ça. Comme inspection générale, c'est la police des polices. Parce que jodi a dans règlement disciplinaire, la police là, li pas dit que gon sanction a pas pour un inspecteur général, pour un commissaire divisionnaire, pour un inspecteur divisionnaire. Il parle de policier en général. Je ne veux pas dire qui différencie peut-être moi-même avec un secteur divisionnaire, c'est grade là. Mais Badjama qui est police nationale d'Haïti, c'est même directeur général là qui s'y est. Pour qui ça rapport ça, il n'y a pas sortir. Pour qui ça jusqu'à présent, famille policière, pour que les gens connaissent qui est ce monde qui est impliqué dans l'échec opération ça. Pour qui ça jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais entendre rien qui fait qui est ce monde que vous entendez sous ça qui passe métivier, sous ça qui passe. Coup, c'est comme si nous capable de dire non, policiers mourir, c'est des sans famille, c'est des gens qui pas de monde, policiers mourir, ça fait. Je dis, un agent dans la police nationale d'Haïti, ou pas qu'à faire 2 mois de yon, ou pas qu'à faire 3 mois de yon, nous qui sommes abandonnés pour. Et nous-mêmes, très bientôt, au niveau Sinapoa, nous allons mettre une liste, on sait des inspecteurs généraux, on sait des commissaires divisionnaires qui pas dans le pays. Qu'il y a une chèque chaque mois, il y a une petite carte chaque mois, et en pile dans la direction générale qu'on est, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Comme bon note qui sortit, qui dit que c'est et commission dans la direction générale la police qui va payer pour les policiers. Nous souhaitons que gros poisson ça, qui en pile dans nous qu'on est, chèque tout kembe. Ce n'est pas chèque agent seulement pour nous kembe. En pile dans nous qui peut parce que yo konnen son UG d'un matin cabinet directeur général PNH li pa vle nan problème mais li pa ka moi-même konnen gen agent gen 2 mois moi konnen que gen agent gen 2 mois 3 mois de yo soit pour maladie responsable fait rapport pour automatique mais nous konnen que gon série de gros nèg dans institution qui pa nan pays a oui
qui par la rue depuis un an, depuis sept mois, depuis dix mois, oui, inspecteur a sorti chaque mois, oui, on agent pas qu'à faire, non, messieurs, dames, pour que ça nous oblige à gérer la police, ça. Quelle commission prend responsabilité pour nous dire que, mais chaque monde, tout que nous qu'aimons, c'est pas seulement agent, il faut que nous allions dans le plus haut niveau. Dame, on répond à une question, ça à tout, hein, il était adressé avec nous deux. Appel avec Gary a été interrompu. N'a pas rétabli contact avec Gary Jean-Baptiste qui a parlé lui-même dans le nom SPNH 17. Gary, quittez Mrelo de préférence. Oui. On allait là. Oui, Gary Jean-Baptiste. Oui, moi te déconnecté et coupable dans le découpé. Question, c'est qui ça et Pierre-Yves, s'il vous plaît. En tant que syndicat, nous avons capacité ça hein, pour nous mener propre enquête nous et d'attendre un rapport de la police d'inspection générale sur ça qui est passé et ça a gagné deux ans. Je dis à n'a pas songé avec un pile douleur, moins doux.